ce lundi matin. Tu sais que sa femme, il y a une époque où j'aimais pas le lundi. Mais et... lundi. Alors, on ça se retrouve. M'intéresse vraiment. On se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, vous venez de le voir. La dernière vidéo de Blouson au sommet, il y a cette édite qui est tombée à l'intérieur. Donc, on a fait un cocktail qui s'appelle le. Je l'ai appelé le blouson par narcissisme, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait. Ouais, se poser pour en gros, c'est un old fashioned légèrement pimpé à la sauce blouson. Mais pas la sauce que vous croyez, non, excusez-moi. Photo à l'appui. C'est une photo de ma sauce que tu. Donc, la plupart des transitions qui ont été faites sur cette edit, ce sont des transitions dans la caméra. Donc, on en avait déjà parlé sur la dernière vidéo où j'expliquais comment j'avais fait le smoothie bowl pour blouson. Là, on va se concentrer sur un seul effet qui est apparu dans la vidéo, qui est pas très compliqué à faire, mais que j'avais déjà fait dans plusieurs de mes anciennes vidéos. C'est ce shot là, où en fait on voit le mot whisky qui est collé sur la chemise de blouson. Et je l'ai fait pour deux raisons, et c'est lui qui me l'avait demandé aussi. C'est que on voyait pas forcément quelle dose de quoi on mettait. Et donc on voulait quand même apporter cette précision, montrer qu'au début on met la dose de whisky, et après on met l'amaretto. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait pour le whisky, et pour l'amaretto c'est exactement pareil. Donc c'est le même principe. Rien ne change, c'est exactement pareil. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est importer la séquence sur After Effects. T'as une fenêtre comme ça qui s'ouvre sous After Effects. On voit que les trois shots, ce sont des pré-compositions. Si par exemple on prend celle-là, donc la deuxième, qu'on vient double-cliquer dessus, on voit que la séquence est là. Mais que par exemple sur celle-là, j'avais fait des modifications de vitesse. Donc c'est ce qu'on appelle un speed ramp. C'est-à-dire que la vidéo commence vite et elle diminue petit à petit, et c'est comme des montagnes russes si tu veux. Voilà, donc la composition, une fois qu'elle est instaurée dans After Effects, ressemble à ça. Donc ça, c'est les shots d'origine. On voit que la transition est ici entre la cannelle et le shaker. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi, je veux qu'il y ait le mot whisky qui soit intégré sur ce shot-là. Donc c'est le troisième. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé par cacher les deux autres pour pouvoir me concentrer uniquement sur celui-là. On va venir dans les effets qui sont à droite. On va venir cliquer sur le suivi et on va faire ici l'option qui s'appelle suivi de mouvement. Donc là, le suivi de mouvement va nous ouvrir un point de suivi. Donc faut juste attendre que mon After Effects charge. Hein. Le mec qui pédale pour l'alimentation de mon ordinateur, faudrait accélérer là. Pas tout ça, mais j'ai pas ton temps moi. Donc on va venir cliquer sur le suivi de mouvement, il y a un point de suivi qui va apparaître. Alors le point de suivi, il fonctionne de la manière suivante. Il y a deux carrés à l'intérieur. Le carré du milieu, c'est ce qui va être l'origine du point de suivi, donc c'est ce qui va devoir être le plus précis. Et le point extérieur, c'est ce qui en fait va servir d'accompagnement si on veut. Donc moi ce que j'ai fait pour la chemise de blouson, c'est très simple, c'est là il avait des boutons qui étaient très différents au niveau de la couleur de sa chemise, puisque les boutons sont blancs et la chemise est bleue. Donc je vais mettre le point de suivi au milieu du bouton et je vais écarter le carré du haut pour venir choper tout le bouton. Donc il faut savoir que sur un suivi, plus la zone qu'on va demander à suivre va être grande, plus ton PC il va te douiller. Donc si tu peux essayer d'avoir une petite zone comme moi je le fais, franchement tu t'en sors bien. Si tu peux pas et que t'as un PC de compète, tu mets une grande zone, mais je veux dire ne flexe pas ta richesse devant moi parce qu'on n'est pas tous comme toi. Arrête de te la péter s'il te plaît. Voilà, tu m'énerves. Donc on met le petit point ici et on va venir ici sur analyser. Donc analyser, il y a 4 boutons. Il y a le bouton play qui va analyser vers l'avant, il y a le bouton play qui va analyser vers l'arrière, donc en revenant. Et il y a le bouton play qui va faire une frame en arrière ou une frame en avant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on se met à peu près au milieu du shot. J'ai placé le point de suivi. On va commencer par aller vers l'avant. Donc on va cliquer sur analyser vers l'avant, on va y aller petit à petit. Donc pour l'instant il déconne pas. Si on voit qu'il déconne un petit peu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut replacer le point tranquillement. On augmente un peu la zone, tu vois, parce qu'on se dit c'est bon, mon PC il a dû coûter au moins 400€. Voilà, on augmente la zone et on voit que tout de suite c'est beaucoup plus galère. Le PC il met 4 ans de plus pour faire 3 images. Mais je veux dire, pour le bienfait du tutoriel, je vais faire ce suivi, voilà, donc petite musique d'ascenseur sur un timelapse de moi qui rage devant mon PC, pendant que je fais le suivi pour toi. Genre il m'a fait des suivis parfaits, et maintenant que je fais un tuto, il va... Oh, ça m'énerve, c'est un enfer mec. Là on va faire l'inverse, donc c'est-à-dire qu'on a fait le suivi vers l'avant, maintenant on va revenir en arrière, et on va faire le suivi, donc on va faire analyse vers l'arrière. Et alors, normalement ça va bien se passer. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait un suivi sur le bouton de la chemise, donc j'en ai refait un avec le bouton de la chemise qui était juste en dessous pour obtenir un suivi plus long dans les bienfaits de cette vidéo. Ne me remerciez pas, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc là on voit qu'on a une espèce de courbe qui fait comme ça, donc ça, ça va être le mouvement du bouton de la chemise. Donc il est traqué, il est bien, il est parfait, il est calé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire un clic droit dans la zone vide ici. On va faire à nouveau, on va faire un nouvel objet nul. Donc le nouvel objet nul, il va être là. On va l'appeler Tracking Sky. Voilà, Tracking Sky au calme. Mec, j'ai envie de, devenir un ghetto millionnaire. Marche au soleil. Marche au soleil. Moins d'accident d'avant, je l'arrête. Donc on est ici, on va venir sélectionner le suivi. On va faire transformer ici sur le type de suivi. On va définir la cible et en définissant la cible, on va venir sélectionner l'objet nul qu'on vient de créer. On va faire appliquer. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le suivi va être transformé et appliqué sur l'objet nul qu'on vient de faire. Donc l'objet nul, c'est quelque chose qui
ne fait rien tant que tu ne t'en sers pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a fait le tracking, il y a tout qui est bon. On va venir créer un texte. On va écrire oui. Ah mais te presse pas hein. Donc là on est là, on va venir créer le mot whisky. On va le placer juste au-dessus du shot qu'on veut. On va le réduire ici à la même taille que le shot qui nous intéresse. Alors pour couper une barre comme ça, on fait CTRL SHIFT D. Et ça vient couper la barre en la mettant sur un autre shot, voilà. Donc le mot whisky est là. Donc là on voit que si on avance l'image, le mot whisky ne bouge pas. Il reste toujours au même endroit sur l'image. Donc pour le lier au tracking qu'on vient de faire, c'est qu'on va venir prendre l'espèce de petit zigouigoui qui est là. On va cliquer dessus, on le garde. Et en fait on voit qu'il y a un trait qui est là. Et on va venir juste le mettre sur le mot tracking qu'on a créé. Donc sur l'objet nul. Et en le mettant sur l'objet nul, on voit juste que le mot whisky maintenant se déplace avec l'objet nul qu'on a créé. Il reste collé au mouvement qu'on a traqué. Donc là, en gros, le travail, il est quasiment fait. Hein. Je veux dire, une fois que t'en es là, tu vois que le mot whisky commence à bouger quand on est sur le tracking. T'as fait 99% du taf. On voit juste le petit problème, c'est qu'il n'est pas super bien intégré. Parce que là, par exemple, on voit ici le petit mot du Y qui dépasse. Donc on va faire quelques petites images clés pour smoother tout ça. Donc déjà, on va faire avec l'opacité. On va le mettre à 0. On va aller quelques frames plus loin. Donc on va aller ici par exemple, quand le mot whisky commence à apparaître. On va le faire apparaître. On va le mettre un petit peu plus vers le haut. Donc on va sélectionner la position. On va venir le remonter un tout petit peu, genre comme ça. Je pense que c'est bon là. Voilà, donc comme ça on le voit apparaître. Et normalement il va disparaître avec le shot. Tout au calme. Voilà, au calmus. Ah mon petit After Effects. Un jour toi et moi on sera amis. Et donc maintenant il reste deux choses pour le vendre un tout petit peu plus. L'opacité on va pas la mettre à 100, on va la mettre dans les environs de 80 pour que le texte soit un petit peu transparent. On va venir ici dans les effets, on va taper ombre et on va sélectionner l'ombre portée qui est là et on va l'appliquer sur le whisky. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter un petit peu la distance pour créer une ombre un peu plus forte et un lissage un peu plus vénère pour flouter l'ombre en fait tout simplement. Donc on peut le voir hein, si on zoome, ça crée une ombre du mot whisky qui apparaît sur la chemise, donc on va la flouter un petit peu en montant le lissage. Et le dernier effet qu'on va rajouter, c'est un flou gaussien. Donc on vient taper flou dans la barre des effets, on vient sélectionner le flou gaussien, on le met dessus, et on va en mettre un de genre 25, je pense que c'est bien, voilà. On va recopier les pixels pour pas que l'image soit déformée. Franchement, je vais te l'avouer, je sais pas à quoi ça sert de recopier les pixels, mais je sais que quand je le fais, ça marche mieux. Moi, je cherche pas à comprendre plus. Et là, on voit que c'est fait, c'est-à-dire que l'image est là et le mot whisky est ancré. Donc quand on rejoue normalement, il y a tout qui marche. Voilà, le mot whisky apparaît, il est un petit peu flouté, pas trop, on arrive à le lire. Franchement, ça c'est soin. C'est impeccable, il y a rien à dire, c'est super bien fait. Mon travail est excellent, engagez-moi, mes tarifs horaires sont raisonnables et j'ai besoin d'argent. Donc là on est sur After Effects. Normalement, je dis bien normalement, si tout fonctionne bien et que tu as fait un truc sur After Effects alors que tu l'avais importé depuis Premiere, quand tu modifies quelque chose sur After Effects, ça se modifie sur Premiere. Ça te fait une petite composition rose ici, comme ça, avec marqué .AEP derrière, c'est-à-dire After Effects Project. Bilingue, mon gars. Donc c'est aussi simple que ça pour le faire, c'est un tracking et après on lit les deux. Et c'est exactement le même principe que j'ai utilisé pour l'amaretto, donc j'ai fait un tracking de la bouteille d'amaretto et j'ai collé le mot amaretto juste au-dessus et puis après j'ai modifié l'opacité pour le faire apparaître ou le faire disparaître selon les besoins. Ça prend littéralement 10 minutes à faire et tu peux le faire sur plein de trucs. Tu peux accrocher, tu sais quoi? Si t'es bien, tu te mets dans un hélicoptère, tu fous une caméra à l'intérieur, tu filmes tout Paris. Donc de nuit, de préférence, tu auras une meilleure vision de la chose. Une fois que tu as filmé Paris, tu colles le mot Paris sur la tour Eiffel avec un petit tracking. En dessous, tu écris tuto expliqué par BiniVD. Tu balances un rap dessus, Nice 4 contact, tu finis au Zénith. T'es heureux. De rien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu te plaît sur un quelconque réseau social, c'est-à-dire Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter, Gmail, MSN Messenger, je t'envoie un whiz moi s'il y a que ça. Tu peux me soutenir parce que financièrement c'est la hesse et on a tous besoin de thunes et j'ai pas peur de parler de thunes. Il y a ces pulls là qui sont en vente. Il y a le lien dans la description. Ces pulls là te rendent automatiquement plus heureux. Preuve en image. Vas-y, donne-moi ton téléphone. Oh, lis ça toi. Non mais déjà bonjour. Bonjour. Tiens. Merci. C'est pas mal vos impros. Tu vas la refaire? Ah, tu veux un tête contre tête? Eh, hey, toi là! Quoi? Toi, toi! Oh, lis mon pull, toi! Ah, bonjour! Bonjour. Je m'appelle Christian René. Non? Ah, excusez-moi! Mais j'ai marqué, voilà. Qui êtes-vous pour me dire comment je m'appelle? Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets ta main là, s'il te plaît. Comme ça. J'ai des chaussettes avec un paresseux qui dab.
Norage. Bah, je suis en train de faire un rendu, si ça intéresse des gens. C'est pas ouf, un peu chiant même. Mais bon.